Bon, j'ai hanté de faire cette vidéo il y a de cela quelques temps, puisque voilà, c'est quelque chose qui est en train de trimballer, en train de bouillonner mon sang. Voilà, il s'agit de ce que vous avez lu sur la miniature, puisque c'est vraiment important pour moi. Voilà. Un jour comme ça, je me suis réveillé sur mon téléphone portable. Puisque vous savez que la journée d'aujourd'hui, quand on se réveille, la chose première qu'on pense à faire, c'est checker notre téléphone portable pour voir qu'est-ce qui se passe réellement. En tant que moi, comme ça, en tant que graphiste, monteur clip, il y a des gens qui envoient des vidéos à monter. Voilà, quelqu'un qui est en train de presser, de lui donner son montage. Et en tant que créateur de contenu, je dois vérifier mes statistiques sur les réseaux sociaux. Et c'est dans ça, je suis là, je suis rentré sur mon WhatsApp. WhatsApp, tout le monde sait et tout le monde connaît WhatsApp que c'est un réseau social, mais une messagerie vraiment importante dans la vie d'un businessman. Voilà, à part Instagram, c'est WhatsApp. Tout le monde utilise pour faire ses business. Un jour comme ça, je me connais sur mon business et voici un numéro qui me contacte. Ah! Aujourd'hui, ensemble, on va aller passer un à un pour voir comment j'ai bloqué et ma mère chez Adebayo. Voilà, comme je l'ai dit, je suis ici. Ensemble, on va rentrer dans la discussion et voir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Et on est arrivé à ces fins-là. Alors, je me réveille tranquillos et puis je vois « Salut, comment allez-vous ?» Ah, un numéro inconnu qui m'écrit « Salut, comment allez-vous ?» Ah, je réponds bien, mais pour un geste de politesse, je dis quoi ?« S'il vous plaît, à qui ai-je honneur ?» Voilà, je présente mes politesses à la personne qui me dit « Salut, comment je vais comme ça ?» Tranquillos, puisque tu ne me connais pas ni d'Adam ni d'Eve, tu me dis « Comment ça va ?» Bon, moi aussi, je te rends le respect là, tranquillos. Ah, et puis, la personne qui me répond comme ça, en me présentant, je m'appelle Emmanuel Adebayo, l'international footballeur togolais. Yeah. Je voulais contacter l'un de mes chers amis au pays. Je voulais contacter l'un de mes chers amis au pays. Et j'ai dû invertir les chiffres. Donc, vous allez devoir m'excuser beaucoup pour le dérangement. Voilà. Adebayo chéri qui veut appeler un de ses chers amis au pays qui intervertit les chiffres et tombe sur moi. Ah, enfant de qui? Adebayo qui intervertit les numéros et tombe sur moi. Non, ça c'est Dieu seul qui peut faire ça. Les gars, allons-y, il y a du béret. Adebayo qui trompe des numéros et tombe sur SLM Prod. Donc, c'est la vie qui va changer comme ça pour SLM Prod. Donc, il dit quoi? Bon, j'ai dit, ok, pas de problème. On dit quoi alors? Comme Adebayo s'est trompé de numéro et tombé sur SLM Prod. Donc, ce que SLM Prod trouve à dire, c'est que, bon, pas de problème. On dit quoi alors? Alors, pour rentrer dans la tête du mon gars dit, merci infiniment. Et surtout, je ne veux pas qu'on partage mon numéro ni passer à tes collègues que tu en as discuté avec moi. Voilà, le gars, le soi-disant Adebayo ne veut pas que je partage son numéro avec mes amis ou bien vous, mes abonnés. Mais c'est ce que je suis en train de faire comme ça. Adebayo là ne va pas venir m'attraper. Hey, you know this. You gotta know. Donc les gars, j'ai dit, bon, il continue disant que il y a beaucoup de mes fans qui cherchent toujours mon numéro, mais de là, ils n'ont pas eu, donc je peux te faire confiance, j'espère. Et la gloire de succès, c'est Dieu qui donne. J'espère que je peux te faire vraiment confiance du fond de mon cœur. Voilà, le gars qui est en train de me parler de Dieu et de la confiance. Hey, you know this. De ne pas partager son numéro de téléphone. Voilà, c'est vrai, je ne vais pas partager le numéro de téléphone du gars ici. Voilà, que la gloire, le succès, c'est Dieu qui donne. Donc, de ne pas partager son numéro. Son numéro vient chercher quoi avec la gloire et le succès? Voilà, que de ne pas partager ça avec mes collègues. Ok, j'ai dit, ok, cool. Tranquillos comme ça. Et puis, il continue et me dit, au fait, je crois que vous m'avez déjà vu une fois jouer à la télévision, j'espère. Là, c'est qui se nomme Adebayo, là, Adebayo, là, Adebayo, toi, quel est beau. Adebayo, toi, va venir et puis te dire que j'espère que tu m'as déjà vu jouer à la télévision. Ah, c'est dans ça qu'on ça, on est là. Adebayo qui me débat, est-ce que je l'ai déjà vu jouer au football à la télévision? Regarde, est-ce que c'est logique? Et puis, j'ai rigolé, j'ai envoyé des smileys de rire et puis j'ai dit oui. Voilà, j'étais déjà regardé à la télé jouer au foot. Eh, depuis Tottenham, voilà, Arsenal et autres. Oh, I saw you. Bon, c'est dans ça qu'on est là. Et dis quoi? Merci. Merci beaucoup pour votre soutien et surtout à vous qui sont derrière moi jusqu'à la fin de ma carrière et je vous remercie beaucoup. Adebayo qui remercie SLM Prod et tous ses fans. Donc les gars, Adebayo vous remercie. Oh. Les gars, we go. Il y a du béret, il y a du béret. Donc on y va. Ok, j'ai dit de rien top. De rien top. Je suis là. Est-ce que c'est poli de ma part de répondre à Emmanuel Chi Adebayo comme ça avec des smileys et des oui, bien top. Ah,
À vous de juger, dites pas ça dans les commentaires. Et puis on y va. Enchanté, ravi de faire votre connaissance et de vous compter parmi mes chaleureuses amies et le Dieu Tout-Puissant vous bénisse abondamment et bénisse richement votre projet. Ah, merci. À débaucher qui bénit quoi? Mes projets. Ah, donc, il faut que mes vidéos, bon, bah, fassent des 100 000 vues en une semaine. Comme ça, là, on va savoir que la bénédiction, là, fonctionne. Donc, les amis, n'hésitez pas à partager, commenter, partager massivement la vidéo, puisque à la fin, il y aura quelque chose à tirer de cette vidéo. C'est pas vraiment du troll, c'est quelque chose que j'ai vécu et j'ai décidé de la partager avec vous. Et cela se passe depuis janvier. Ouais, c'est la vidéo, là, et la chose s'est passée seulement en janvier et j'ai fait un capture d'écran. J'ai fait un capture d'écran de la discussion pour garder, pour faire une vidéo un jour. Je sais pas, depuis janvier, c'est maintenant que je suis en train de faire la vidéo. Il faut savoir que voilà, il faut que je fasse cette vidéo pour quelque chose. Alors, Adebayo qui me bénit de tout et tout. Bien, j'ai dit, comme je sais que le gars est en train de me troller, bientôt va me demander de l'argent. Bien sûr qu'il va me demander de l'argent. Je dis, ok, cerveau. Donc, j'ai dit cerveau et puis le gars ne me répond plus. Ah, c'est quoi comme ça là? On est le 10. La chose est en train de passer le 10 janvier. Ah. Je dis bien, donc quand Adebayo chez Isevo, quel est ma. Bon, sous ce que tu as dit, si elle dit, mais cher Amiré, tu t'es trompé de numéro, tu es tombé sur moi. Donc maintenant, je dis, Servo, oh bon, on va dire quoi maintenant? Il faut envoyer ça là, non? Bon, zéro, il n'y a plus de réponse. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, le jour, deux jours après, j'écris comme ça, salut boss, besoin d'aide. Voilà, tu as d'abord parmi tes amis, parmi tes contacts, tu vas pas demander de l'aide à Adebayo Chéhi. Ça sert à quoi d'avoir le numéro Chéhi, le numéro de Chéhi dans ton téléphone portable comme ça? Tu demandes comme ça, besoin d'aide boss, le gars a disparu. Voilà, justement comme ça, moi j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance puisque pour vous dire vrai, Adebayo Chéhi ne va pas rester quelque part et puis perdre son numéro et puis venir vous contacter. Tous les contacts d'Adebayo sont dans son téléphone portable et c'est qui contacter à l'heure qui va contacter la personne et quand contacter la personne. Adebayo ne va pas changer de numéro ou bien tromper de numéro et tomber sur toi mon gars. Sauf si seulement si vous êtes rencontré, il t'a donné personnellement son numéro de téléphone. Ah, il faut comprendre ça comme ça. Sûrement, il s'agit d'un gars qui voulait, voilà, arnaquer SLM Prod. Voilà. Et par la grâce de Dieu, je suis un peu malin puisque cela, c'est, disons, la troisième fois que cela m'arrive. Si vous voulez, je peux vous raconter encore plus de ces histoires puisque ces histoires d'arnaque de quelqu'un qui te contacte disant que je suis à Adebayo Chéhi, ça m'est arrivé plus de deux fois. Voilà. Et disons, la deuxième fois, j'ai failli carrément tomber dedans. Mes parents ont voulu envoyer de l'argent à Béo Béné pour prendre des colis d'homme. Des ordinateurs, des cartes de visa de plus de 20 millions comme ça, juste avec un billet de 10 000 francs ou de 19 000 francs comme ça. J'en ai eu plusieurs de ces histoires que j'ai vécues. Donc, si vous voulez, je peux vous raconter ces histoires. Voilà, celle-ci n'est pas trop ouf. Celle que je vais vous raconter dans un prochain épisode sera vraiment folle. Donc, n'hésite pas à t'abonner et me dire si tu as déjà vécu une de ces arnaques, voilà, de ces personnes qui rentrent dans nos DM, dans nos contacts, disant qu'ils sont des personnalités ici, sont des personnalités là. Voilà, pour t'aider, il faut envoyer de l'argent. Si vous êtes déjà victime de ces arnaques, n'hésitez pas à me créer quoi sur Instagram, donnez-moi votre histoire. Et ensemble, on va parler ici sur la chaîne de SLM TV. Et j'ai bloqué et ma mienne chérie, Adebayo, dans mes contacts. Bye, je vous aime.